Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très contente de faire cette vidéo un petit peu actualité sur la réforme des retraites. Le but n'est pas de te baratiner avec tout ce que tu as déjà pu lire dans les médias, mais c'est de faire une petite étude comparative de ce qui se passe en Europe pour que tu puisses avoir des éléments de comparaison et que tu puisses te faire ta propre opinion. C'est vrai que quand il y a des réformes, et notamment quand on est étudiant en droit, c'est très important d'être un petit peu au courant de ce qui se passe. Pour autant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations et que parfois on peut un petit peu s'y noyer et mélanger différentes choses. Donc moi c'était un petit peu mon cas avec cette réforme sur les retraites. J'ai été un petit peu en retrait vis-à-vis de tout ce qui se passait. Il y en avait tellement partout que j'avais pas forcément très envie de prendre la parole. Mon but n'étant pas non plus de partager mon point de vue de politique parce que j'essaye d'être quand même très prudente puisque mon public ce sont des étudiants, que j'ai pas envie de donner mon avis et d'influencer qui que ce soit vis-à-vis de ce qui se passe dans la actualité, mais vraiment j'ai essayé de me forger ma propre opinion, surtout à travers différents facteurs, différentes données que j'ai pu comparer moi-même avec ce qui se passait en Europe, parce que finalement pour moi c'était assez intéressant de mon point de vue de pouvoir eh bien avoir mon avis sur ce qui se passait en France d'un point de vue un petit peu plus général et me permettre eh bien d'avoir des éléments de comparaison et puis d'avoir des arguments. C'est vrai que je passe également l'examen du CRFPA, donc un examen qui demande quand même d'avoir un petit peu eh bien de culture générale, de culture juridique, notamment au regard du grand oral. Et c'est des thèmes d'actualité qui peuvent tomber. En plus, moi, je suis en droit social, donc c'est vrai que bah voilà, la réforme des retraites, c'est 100% mon domaine. Donc voilà, je suis très contente de faire cette vidéo un petit peu d'étude. Plus exactement, on va vraiment comparer ensemble différents facteurs pour un petit peu peut-être justifier la réforme ou la critiquer. Mais encore une fois, ce n'est ni une vidéo politique, ni une vidéo pour donner mon avis. J'ai fait tout simplement mes recherches en trouvant des chiffres qui sont vrais bien entendu, je suis allée regarder dans des sites qui étaient fiables, c'est très important pour moi la fiabilité de ce que je peux te dire sur cette chaîne YouTube, mais te permettant ainsi bien d'avoir de faire en fait ton propre avis, ta propre critique, c'est vraiment le but de cette vidéo. Donc moi je vais pas te donner mon avis, je vais vraiment donner des chiffres et puis faire des constats. Si jamais tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux tout à fait le mettre en commentaire tout en veillant à rester constructif, parce que encore une fois le but n'étant pas voilà de faire de la politique sur cette chaîne, mais tout simplement de partager des données qui sont véridiques et puis ensuite d'en faire une petite réflexion autour de ce qui se passe dans l'actualité. C'est bon? T'es prêt? Allez, c'est parti! Résumer très brièvement, parce que je suis pas là pour te rabâcher ce qui a déjà été dit des millions de fois, il y a eu une réforme qui a été adoptée le 14 avril dernier concernant l'âge de départ à la retraite. Donc avant l'âge de départ à la retraite, l'âge légal en fait c'était 62 ans. C'est quoi l'âge légal? Ben, en gros c'est l'âge auquel tu peux partir à la retraite avec un taux plein, c'est-à-dire eh bien à obtenir en fait chaque mois ta retraite à taux plein. Donc vraiment c'est le package maximum que tu vas pouvoir recevoir sur ton compte bancaire qui paiera, donc c'est ta retraite quoi. Donc si tu partais avant 62 ans, eh bien forcément t'étais pas en taux plein, donc t'avais un petit peu moins d'argent. C'est le système classique. Je le dégrossis hein, pour que ça soit très simple pour toi, le but n'étant pas de te faire un cours. Et donc la retraite, la réforme des retraites qui est arrivée là le 14 avril et a acté l'âge de départ à la retraite pour arriver en 2030 à 64 ans. Donc on augmente de 2 années. C'est pas du jour au lendemain, c'est les gens qui sont nés après 1960 qui vont voir génération par génération l'âge du départ à la retraite augmenter de 3 mois jusqu'en 2030. On arrivera donc à 64 ans d'âge légal au taux plein du coup de retraite. Donc voilà ce qui s'est passé. Il y a eu d'autres petites choses évidemment. Là je dégrossis hein, vraiment ce qui s'est passé. Il y a plein d'autres choses. Je te mets d'ailleurs en lien de cette description le site sur lequel notamment j'ai eu toutes ces infos qui résument très bien. Et pour toi je trouve c'est très pédagogique. Ça l'a été pour moi, donc j'imagine que pour toi ça sera également le cas. Ça te permettra d'avoir un résumé de ce qui s'est passé, de tout ce qui va être modifié. Mais voilà, je voulais simplement pour commencer cette vidéo résumer brièvement ce qui s'était passé. Donc on part à la retraite maintenant 2 ans plus tard. Voilà, en gros, c'est ça le débat qui a été acté. Hein, d'ailleurs, la loi est passée, elle a été promulguée, etc. Donc voilà. Et donc, aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui se passe en Europe. On va voir 3 facteurs que j'ai trouvé très intéressants. C'est l'âge
du départ légal à la retraite en Europe, donc dans différents pays européens. J'ai pas pris tous les pays parce que c'était trop long, mais j'ai pris ceux qui étaient les plus significatifs. J'ai pris également le montant du SMIC dans ces pays européens. Pareil, j'ai choisi un, toujours les mêmes pays qui étaient significatifs. Et ensuite, l'espérance de vie. C'est trois facteurs que je trouve très intéressants parce que ce sont ces trois facteurs qui finalement vont venir expliquer peut-être ou plus exactement être des éléments intéressants dans cet âge légal de départ à la retraite. Dans une population, si l'espérance de vie est de 50 ans, si on fait partir les gens à la retraite à 48 ans, tu imagines bien, en gros, il leur reste 2 ans après avoir fini de travailler pour profiter de leur retraite. Donc c'est un peu de l'arnaque en soi. Donc en gros, c'est vrai que l'espérance de vie, ça a un impact, c'est assez intéressant. Et ensuite, pourquoi le SMIC? Eh bien, pour voir un petit peu quel est le pouvoir d'achat, quelle est la richesse finalement de ces populations au regard de leur espérance de vie, mais aussi de leur âge légal de départ à la retraite, parce que c'est un facteur qui est quand même intéressant et qui peut justifier entre guillemets cet âge légal de départ à la retraite. Donc là j'ai recensé beaucoup de pays, mais on va voir ensemble un petit peu les comparaisons avec la France, puisque on est français, donc on va on se table en comparaison avec la France. Pour critiquer, alors le terme critique, hein, je précise, c'est critiquer positive et négativement, hein, c'est pas, la critique n'est pas que négative, hein, critiquer c'est vraiment apporter une réflexion sur une donnée. Donc on va critiquer un peu ces différents chiffres et puis créer une réflexion autour de ça pour un petit peu estimer si en France on est plus ou moins dans la moyenne, si au contraire on est peut-être un petit peu en dessous ou au-dessus, sur toutes ces données-là qui sont assez intéressantes pour notre étude. Alors on commence, je vais te donner les trois facteurs en France, comme ça on commence directement par donner les moyennes. Donc c'est parti, je me suis fait un petit tableau. Donc c'est mon petit tableau à moi, ça me permet quand même d'avoir les chiffres, hein, je les ai pas retenus, donc je vais regarder ce petit tableau pour être le plus juste possible. Donc en France, l'âge de départ à la retraite était de 62 ans, au taux plein, et qui passe à 64 ans jusqu'en 2030. Donc on va augmenter par génération de 3 mois pour arriver donc à cet âge de 64 ans, cet âge qui fait débat, qui a fait débat. Voilà, mais maintenant la réforme est passée, elle a été publiée, donc voilà, l'âge légal est passé à 64 ans. Pour les générations à partir de 1960, on augmente de 3 mois par génération. Ensuite, le SMIC en France, le SMIC brut mensuel, on est à 1709,28 €. Bien entendu, si jamais tu as des données qui sont plus ou moins grandes vis-à-vis de ce chiffre, pas de panique, le SMIC fluctue en fonction de l'année auquel tu te réfères. Donc voilà, on part sur une moyenne de 1700 € brut mensuel en France. L'espérance de vie, d'après toi, l'espérance de vie en France, c'est combien? Eh bien, sache que c'est pas mal du tout, on est à 83 ans en moyenne. Les hommes et les femmes, on n'a pas la même espérance de vie. Donc on va partir sur une moyenne globale de 83 ans. Et quelque chose d'assez intéressant, et également, j'ai fait une comparaison avec l'espérance de vie qu'il y avait en France en 1960 et l'espérance de vie qu'il y a, j'ai pris le chiffre, en 2020. On est en 2023, l'espérance de vie n'a pas beaucoup augmenté, donc on est sur des données qui restent quand même fiables. Pourquoi je commence de 1960? Tout simplement parce que justement la retraite, la réforme de la retraite, touche les gens qui sont nés après 1960. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est aussi de voir un petit peu et de faire cette comparaison avec l'espérance de vie qu'il y avait avant 1960 et depuis 2020, donc après 1960. Eh bien, assieds-toi bien, c'est assez frappant, je trouve. En 1960, l'espérance de vie des femmes, justement, c'était 73 ans. Pour les hommes, c'était 67 ans. Et en 2020, assieds-toi bien, l'espérance de vie des femmes est passée à 85 ans. Et pour les hommes, à 79 ans. Plus exactement pour les femmes, 85 ans et 7 mois. Et les hommes, 79 ans et 8 mois. Donc tu vois, on a augmenté de exactement 12 ans
pour les femmes et pour les hommes, on a également augmenté de 12 années notre espérance de vie depuis 1960. Donc c'est vrai que déjà cette donnée-là, à toi de faire ta propre critique, mais elle est quand même conséquente. C'est-à-dire que on a augmenté notre espérance de vie et on nous a augmenté notre âge de départ à la retraite de 2 années. Mais on a aussi notre espérance de vie qui a augmenté de 12 ans. Donc c'est une donnée à prendre en compte. À toi de faire tout simplement ton autocritique. Je te conseille de prendre des petites notes. Et puis n'hésite pas à mettre tes réflexions sur papier. Parce que c'est intéressant de se forger sa propre opinion. Maintenant on va commencer par regarder un peu les pays riches de l'Union Européenne. Ceux qui ont un très bon SMIC. Ceux qui ont le meilleur SMIC. D'ailleurs je vais te le donner. Ceux qui ont la meilleure espérance de vie. Et puis ceux qui partent à quel âge ils partent à la retraite, ces gens-là. Alors, si on doit prendre le meilleur SMIC brut mensuel, eh bien, je vais te dire tout de suite, c'est le Luxembourg avec 2387 € par mois. C'est un sacré SMIC, ils se font plaisir, on est bien d'accord. Alors, ces gens-là qui gagnent 2387 € minimum, du coup, puisque c'est le SMIC chez eux, eh bien, sache que leur espérance de vie est de 82 ans et 7 mois. Donc en France, nous, on est à 83 ans. Donc en soi, ils ont une espérance de vie qui est plus faible que la nôtre. Et quand est-ce qu'ils partent en retraite, ces gens-là? Eh bien, ils partent à 65 ans. Et oui, 65 ans. Donc si on regarde, nous, on est passé de 62 ans à 64 ans, mais on était quand même au départ à 62. Donc c'est vrai qu'on reste quand même dans une minorité, c'est-à-dire qu'on part à la retraite, en moyenne générale, plus tôt que les Luxembourgeois qui gagnent 2387 € brut mensuel, c'est leur SMIC, et qui ont une espérance de vie qui est plus basse que celle en France. On continue avec ceux qui gagnent le plus d'argent dans l'Union Européenne, toujours, et bien il va y avoir l'Allemagne avec 1987 € de salaire de SMIC brut mensuel, et leur espérance de vie est de 81 ans en Allemagne. J'étais assez surprise d'ailleurs parce que je pensais qu'ils avaient une espérance de vie qui était plus élevée que la nôtre, et bien non. Nous on a 2 ans de plus en moyenne puisque notre espérance de vie est de 83 ans, je te le répète, et pour les Allemands c'est 81 ans. Et ils partent à la retraite à 65 ans et 10 mois, et leur réforme de retraite est passée, et en 2031, ils partiront à la retraite à 67 ans. Alors que nous, en 2030, ça sera 64 ans. Donc c'est quand même très significatif la différence ici. Ils ont une espérance de vie de 2 ans inférieure à nous et ils vont partir à la retraite 2 ans après nous. Mais ils ont un petit salaire qui est plus élevé que le nôtre. Ensuite, si on continue avec ceux qui gagnent le plus, eh bien c'est les Belges. Ils ont un SMIC de 1955 €, à peu près comme en Allemagne, mais eux, eh bien ils ont une espérance de vie de 82 ans. D'accord, c'est la moyenne, donc à peu près comme nous, un an de différence avec nous, et ils partent à la retraite à 65 ans, et pareil, comme en Allemagne, en 2030, ils partiront à la retraite à 67 ans pour obtenir leur taux plein. Donc c'est assez significatif, on voit quand même qu'en France, on part à la retraite 2 ans plus tard maintenant, mais on reste quand même à partir à la retraite plus tôt que nos voisins belges ou allemands. Enfin, pour finir, ceux qui gagnent un SMIC, en tout cas qui ont un SMIC plus élevé que nous en France, ce sont les Pays-Bas, avec un SMIC de 1934 € exactement. Bon, on va pas chipoter, c'est un petit peu comme en Allemagne en Belgique. Mais attention, ils partent en retraite à 66 ans. Et le projet en 2024 est qu'ils partent à la retraite à 67 ans. Et concernant leur espérance de vie, on est à 82 ans et 2 mois. Donc toujours en dessous de l'espérance de vie française. Et toujours 2 années de plus à travailler dans leur pays comparé à nous, les Français. Alors maintenant, on va se situer un petit peu vers les pays qui vont gagner moins d'argent, les pays qui sont plus pauvres, et voir un petit peu leur espérance de vie, à quel âge du coup ils partent à la retraite, et combien ils gagnent minimum par mois. C'est quand même, voilà, les données qui sont importantes. On a vu les pays riches,
D'accord, donc avec l'Allemagne, le Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, la France. Maintenant, on va regarder les pays qui sont plus pauvres et voir ces données. Ça nous permettra eh bien, d'avoir un petit peu une vision plus globale eh bien, dans notre réflexion concernant l'âge de départ à la retraite et toutes les autres données qu'on voit ensemble en ce moment. Je vais prendre le pays de ma grille qui a le SMIC le plus bas. Il s'agit de la Hongrie. En effet, leur SMIC est de 578 euros par mois. 578, est-ce que tu te rends compte? Nous, on est à 1700 euros. Donc la différence, elle est quand même incroyable. Ils gagnent moins d'un tiers de ce que nous, on gagne en France. Donc c'est assez considérable. Alors si on regarde leur espérance de vie, ils ont une espérance de vie, les Hongrois, en moyenne de 76 ans et 5 mois. Nous, on est à 83 ans, donc c'est quand même énorme. Quand tu compares, quand même, il y a plus de 7 ans de différence en France, c'est quand même significatif. Cette année, c'est pas rien. Imagine-toi, il y a 7 ans, tout ce que tu fais en 7 ans, enfin, c'est quand même assez incroyable. Et du coup, on se dit, si l'espérance de vie est de 76 ans chez eux, on espère quand même qu'ils aient, au moins une retraite qui soit de minimum 10 années. Si on regarde nous en France, on part à la retraite à 64 ans, notre espérance de vie est de 83 ans en moyenne, hein, ça prend en compte plein de facteurs, eh bien on a quasiment 20 ans de retraite, d'accord? Quasiment 20 ans de retraite. Eh bien, pour nos Hongrois, ils ont une espérance de vie de 76 ans et ils partent à la retraite à 65 ans. Ce qui fait, 11 années de retraite en moyenne pour les Hongrois qui gagnent, je le répète, 578 euros. C'est leur SMIC. Donc ça, c'est une donnée que je trouve assez dingue. C'est vrai que quand je l'ai lue, elle m'a fait quand même un peu bizarre quand je vois que nous, on a 20 ans de retraite. 20 ans, on va pouvoir bénéficier de notre taux plein et on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Je suis pas à la retraite, je sais pas tout à fait ce que c'est, mais bon, on est quand même assez posé quand on est à la retraite, en tout cas, on a l'impression. On a 20 années, t'imagines 20 ans, imagine-toi dans 20 ans, tout ce que tu peux faire en 20 ans, quoi. Et puis plus, parce que bon, ça reste une moyenne. Hein, y a bien des gens qui restent, qui vivent jusqu'à 100 ans. Donc ils continuent à toucher leur retraite. Il n'y a pas de date d'expiration, sauf la mort. Donc, donc c'est assez incroyable. Et si on continue dans cet état-là, on va prendre pareil la Lettonie, par exemple. Leur SMIC est de 620 euros. Leur espérance de vie, 75 ans. D'accord. Et ils partent à la retraite à 64 ans et ils ont une réforme en cours où leur âge légal de départ à la retraite est repoussé à 65 ans en 2025. Donc pareil, hein, c'est assez incroyable. Si on doit prendre le pays qui part le plus tôt à la retraite, ça c'est assez intéressant, je vais te dire ça tout de suite. Eh bien c'est en Pologne qu'on part à la retraite le plus tôt. Pour les femmes, il y a pas mal de pays qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que pour les femmes et pour les hommes c'est pas pareil. L'âge de départ à la retraite est de 60 ans pour les femmes, 65 ans pour les hommes. Donc 60 ans c'est assez tôt, mais voilà, leur espérance de vie est de 78 ans, donc ça reste quand même bien en dessous de notre espérance de vie en France. Et leur salaire, leur SMIC exactement, est de 745 euros. Donc ça reste quand même 1000 euros en dessous de nous, de notre SMIC à nous. Donc si on doit comparer, ils ont pour les hommes 13 années grosso modo de retraite. Et pour les femmes, elles ont 18 années de retraite. Donc ça reste quand même une durée qui est longue quand même. Nous on a 20 ans, donc 18 ans ça reste quand même assez intéressant. Mais ils ont quand même un SMIC qui est quand même beaucoup plus bas que le nôtre. Et enfin, quel est le pays dans ma grille au sein de l'Union Européenne qui a l'espérance de vie la plus élevée? C'est 84 ans et c'est l'Espagne qui a l'espérance de vie la plus élevée. Donc 84 ans, l'espérance de vie, ils ont un SMIC de 1166 euros. Donc c'est quand même un SMIC qui est
bien en dessous de ce que nous on a en France, mais comparé à l'Hongrie par exemple, ça n'a rien à voir. Et ils partent à la retraite à 65 ans. Donc c'est toujours un an de plus que nous actuellement en France, mais on peut se dire que ça se justifie, entre guillemets, si on doit faire une comparaison, parce que s'ils ont un an de plus d'espérance de vie, ils travaillent une année de plus. En soi, je trouve que c'est en soi équilibré, même s'il y a plein d'autres données à prendre en compte, bien entendu, mais ça reste quand même, je trouve, assez équilibré. Mais ils ont quand même, un SMIC, une qualité de vie, du coup, qui est forcément moindre, dans le sens où leur SMIC est quand même beaucoup plus bas que ce que l'on a, nous, en France. Donc voilà, c'est vrai que tout cet exposé était vraiment avait pour objectif de te permettre d'avoir ta propre réflexion. Je t'ai pas donné particulièrement mon avis. Le but c'était vraiment de tisser une réflexion autour de ces trois données, trois facteurs que je trouve assez intéressants, l'espérance de vie, la durée de la retraite, l'âge départ de la retraite et le SMIC, pour voir un petit peu le pouvoir d'achat en fait des gens qui vivent dans un pays, et pouvoir voir comment est-ce que nous on se situe. Donc à travers l'étude comparative qu'on vient de faire ensemble, en France on reste quand même un pays avec un âge de départ à la retraite qui est vraiment bas. Comparé à tous les pays que j'ai listés, il y a simplement deux pays qui partent, qui ont un âge légal de départ à la retraite qui est plus bas que celui en France, à savoir la Pologne, on l'a vu ensemble, et la République tchèque. Mais ils ont une réforme en cours qui est en train de tendre à une hausse de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, donc un an de plus que nous en France. Donc ça reste quand même des facteurs qui viennent quand même montrer que nous en France on est en dessous, mais largement en dessous de la moyenne. On est limite le premier pays à partir à la retraite le plus tôt, avec un SMIC qui est quand même un des top 4 de ce qu'il y a au sein de l'Union Européenne, et une espérance de vie, on est les deuxièmes au niveau de l'Union Européenne. Les premiers c'est l'Espagne avec 84 ans en termes d'espérance de vie, nous on est à 83 ans. Et encore une fois, au niveau de l'évolution de l'espérance de vie, en 1960, on était encore une fois aux alentours de 73 ans, 67 ans pour les hommes, et en 2020, on a eu 12 ans qui se sont ajoutés à notre espérance de vie, et on a, en contrepartie, si on peut appeler ça comme ça, 2 années de plus à travailler avec la réforme qui a été donc mise en place et qui porte notre âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Donc ce que je souhaitais partager avec toi à travers cette vidéo. C'est une vidéo un petit peu longue, j'espère que t'as pris le temps de la regarder, que ça t'a permis d'avoir des données que tu n'avais peut-être pas en main, et puis te permettre de te créer ta propre réflexion. En tout cas, si jamais tu as un jour un débat, que tu as un jour un grand oral, un exposé à faire sur ces données-là, ça te permettra d'avoir en tout cas des arguments pour, contre, mais en tout cas pour apporter de la matière à ton argumentation. J'espère avoir su t'aider, n'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu, et puis me mettre un petit commentaire et la liker bien entendu. C'était un plaisir de proposer une vidéo sous ce format, ça change un peu, et puis j'espère avoir su t'apporter une petite réflexion. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Salut !